Première étape, écoute. En ce moment, le sport et moi, ça fait deux. Avant, je faisais du sport tous les jours, mais maintenant, j'ai mis le sport de côté car ces derniers mois ont été compliqués. En plus, je vais bientôt déménager, donc j'attends d'être dans ma nouvelle maison pour reprendre mes bonnes habitudes. Comme j'ai dit, avant, je faisais du sport tous les jours. Pendant le confinement, j'ai même sacrifié ma salle à manger pour la transformer en salle de sport. J'ai installé des tapis en mousse. J'ai mis quelques appareils comme un banc de musculation, des haltères, un trampoline et des élastiques. Il y a aussi une cage de musculation, mais je m'en sers très peu. Je suis pas assez musclée pour m'en servir, je pense. J'y vais mollo et à mon rythme. Généralement, j'alterne cardio et fitness. Pour le cardio, j'utilise un mini trampoline. J'ai découvert récemment que faire 30 minutes de mini trampoline par jour avait de nombreux bienfaits. En plus, c'est assez fun, je mets de la musique et j'ai pas du tout l'impression de faire du sport. Quand il fait beau et pas trop froid, j'aime bien faire du vélo ou bien marcher avec mon chien. J'ai commencé aussi à faire du roller, mais je galère un peu, c'est assez dur. Surtout que j'ai fait une chute, donc depuis j'ai un peu peur d'en refaire. Je trouve que faire du sport, c'est très important. Je le sens quand j'en fais pas, je me sens moins bien et moins en forme. Je dors mieux aussi quand je fais du sport et j'ai une meilleure mine. Ça me manque de faire du sport. J'ai hâte de reprendre et de m'y remettre. Deuxième étape, comprends. Télécharge ton cahier d'exercices. Fais les exercices proposés. Reviens à la vidéo quand tu as terminé. Troisième étape, répète. En ce moment, le sport et moi, ça fait deux. Avant, je faisais du sport tous les jours, mais maintenant, j'ai mis le sport de côté car ces derniers mois ont été compliqués. En plus, je vais bientôt déménager. Donc j'attends d'être dans ma nouvelle maison pour reprendre mes bonnes habitudes. Comme j'ai dit, avant, je faisais du sport tous les jours. Pendant le confinement, j'ai même sacrifié ma salle à manger pour la transformer en salle de sport. J'ai installé des tapis en mousse. J'ai mis quelques appareils comme un banc de musculation, des haltères, un trampoline et des élastiques. Il y a aussi une cage de musculation, mais je m'en sers très peu. Je suis pas assez musclée pour m'en servir, je pense. J'y vais mollo et à mon rythme. Généralement, j'alterne cardio et fitness. Pour le cardio, j'utilise un mini trampoline. J'ai découvert récemment que faire 30 minutes de mini trampoline par jour avait de nombreux bienfaits. En plus, c'est assez fun, je mets de la musique et j'ai pas du tout l'impression de faire du sport.
Quand il fait beau et pas trop froid, j'aime bien faire du vélo ou bien marcher avec mon chien. J'ai commencé aussi à faire du roller, mais je galère un peu, c'est assez dur. Surtout que j'ai fait une chute, donc depuis j'ai un peu peur d'en refaire. Je trouve que faire du sport, c'est très important. Je le sens quand j'en fais pas. Je me sens moins bien et moins en forme. Je dors mieux aussi quand je fais du sport et j'ai une meilleure mine. Ça me manque de faire du sport. J'ai hâte de reprendre et de m'y remettre. Quatrième étape, shadowing. En ce moment, le sport et moi, ça fait deux. Avant, je faisais du sport tous les jours, mais maintenant, j'ai mis le sport de côté car ces derniers mois ont été compliqués. En plus, je vais bientôt déménager, donc j'attends d'être dans ma nouvelle maison pour reprendre mes bonnes habitudes. Comme j'ai dit, avant, je faisais du sport tous les jours. Pendant le confinement, j'ai même sacrifié ma salle à manger pour la transformer en salle de sport. J'ai installé des tapis en mousse, j'ai mis quelques appareils comme un banc de musculation, des haltères, un trampoline et des élastiques. Il y a aussi une cage de musculation, mais je m'en sers très peu. Je suis pas assez musclée pour m'en servir, je pense. J'y vais mollo et à mon rythme. Généralement, j'alterne cardio et fitness. Pour le cardio, j'utilise un mini trampoline. J'ai découvert récemment que faire 30 minutes de mini trampoline par jour avait de nombreux bienfaits. En plus, c'est assez fun, je mets de la musique et j'ai pas du tout l'impression de faire du sport. Quand il fait beau et pas trop froid, j'aime bien faire du vélo ou bien marcher avec mon chien. J'ai commencé aussi à faire du roller, mais je galère un peu, c'est assez dur. Surtout que j'ai fait une chute, donc depuis j'ai un peu peur d'en refaire. Je trouve que faire du sport, c'est très important. Je le sens quand j'en fais pas, je me sens moins bien et moins en forme. Je dors mieux aussi quand je fais du sport et j'ai une meilleure mine. Ça me manque de faire du sport. J'ai hâte de reprendre et de m'y remettre. Cinquième étape, pratique. Télécharge ton cahier d'exercices. Réponds aux questions à l'écrit et à l'oral.